là. L'idée, c'était de faire un reportage un petit peu sur ta ferme, donc expliquer l'histoire de cette ferme, sachant qu'on est en centre-Bretagne, quasi, hein, mais dans le bout du Finistère, donc dans des zones un petit peu froides et humides. Et ce serait intéressant que tu nous racontes l'histoire de cette ferme. Alors, on est sur la commune de Le Triou, donc c'est l'exploitation d'Elisabeth, donc ma femme, qui est basée sur le polyculture élevage. Et j'ai mon exploitation qui est sur Plougueries, donc commune d'à côté, sur le même schéma. Et le parcours que l'on a aujourd'hui, c'est 30 ans d'installation. Avec une production porcine pour ramener sur une seule exploitation aujourd'hui, donc liée aux besoins du développement des outils d'élevage et d'optimisation de la conduite d'élevage, aussi sur le plan du travail que sur le plan matériel, que sur le plan santé des animaux. Donc c'est un choix d'entreprise aujourd'hui qui nous amène aujourd'hui donc à développer la production animale, mais aussi à développer la production végétale. L'exploitation aujourd'hui, c'est 700 truies sur une production végétale d'à peu près 180 hectares, donc 160 en production céréales, donc sur une rotation de 4 cultures, maïs, blé, orge de printemps, puisque certaines parcelles n'acceptent pas des semis d'hiver, donc parce qu'ils posent problème, et des réflexions sur d'autres types de cultures demain qui peuvent être intéressantes, notamment du côté de la protéine, comme d'autres productions qui pourraient être pas uniquement à vocation fabrication d'aliments, mais qui peuvent être des plantes style chanvre ou des choses comme ça, qui pourraient apporter de la diversité sur l'exploitation. Mais la grande base, c'est bien sûr la production d'aliments à la ferme, valorisation des déjections animales. Donc aujourd'hui, l'entreprise, c'est 7 salariés plus, donc Elisabeth et moi-même, on travaille en commun. On est passionné, on se construit. Elisabeth n'était pas du tout nature et biodiversité. Aujourd'hui, elle se construit aussi dans cette connaissance-là, cette passion-là, que l'on a commune, mais aussi d'intérêt collectif de territoire. Donc, Alors du coup, sur la ferme, tu aurais un projet de biodiversité. Il s'est mis en place comment? Avec quelle histoire? il se construit parce, allez, mon histoire naturelle ou biologique. On est une famille de chasseurs, mais aussi on est une famille agricole, essentiellement agricole. Beaucoup de membres de la famille sont en lien avec la production ou en lien avec les services à l'agriculture. Mais la passion, c'est être dans la nature et de produire avec la nature. Donc notre base, c'est que j'aime bien la pêche, j'aime bien la chasse, je pratique pas la pêche. Parce que ben, on ne peut pas attraper partout. Et je suis passionné aujourd'hui par tout ce qui est le vivant sur l'exploitation, qu'elle soit d'intérêt à la production ou qu'elle soit d'intérêt aux loisirs nature ou aux enjeux du milieu dans lequel on est. Et aujourd'hui, je considère que mon exploitation aujourd'hui doit fonctionner avec des éléments indicateurs de la nature. Et j'en ai trois. Un, c'est la perdrix. Deux, c'est la truite. Trois, c'est l'abeille. Ok, alors est-ce que tu pourrais nous parler de ces trois éléments là un petit peu Voilà, mieux? voilà. Donc, leur issue, ça a une vocation à finir sur la table. Oui. Au retour de la chasse, très souvent, c'est le plaisir d'être à table. Quand on produit à la ferme, c'est le plaisir de ce que l'on amène à la table. Donc, ce sont tous ces éléments-là. Ce sont trois éléments pour moi qui sont naturels, sauvages, mais qui sont en lien avec notre activité sur le territoire. Ils sont indicateurs. Donc la perdrix, l'indicateur le plus important, c'est un oiseau qui a un âge de vie très faible, très sensible. La perdrix, pardon, la truite est du même niveau dans une rivière. Quand on a un impact agricole sur son milieu, on le voit tout de suite. Et l'abeille, on connaît aussi son sujet. Quand on est acteur sur le terrain, la sensibilité de l'espèce, on l'a. Donc aujourd'hui, ce sont des indicateurs sur lesquels on le suit très près, puisque on analyse, on compte,
et on en fait les bilans. Avec qui tu travailles ça? Pour la perdrix, ben, la Fédération des chasseurs. Oui. Pour les abeilles, donc on a les apiculteurs professionnels qui sont aussi donc structurés pour mesurer tous ces éléments-là. Et pour la truite, donc on travaille avec des APPMA, donc ce sont des associations de pêche qui nous ont formés à découvrir le lit de la rivière entre les êtres qui vivent, qui nourrissent la truite et les zones de développement du milieu qui permettent une reproduction. Alors ces trois espèces-là et toutes les espèces que l'on a, la partie essentielle parce que pour moi sont des indicateurs de haute sensibilité, mais qui démontrent aussi qu'elles ont un potentiel à la reproduction extraordinaire. C'est-à-dire qu'une perdrix est capable de produire 20 œufs. Et l'indicateur de comptage à la réussite de son cycle va de 0 à 20, et en général, il est très proche de 3 à 5 sujets qui sont arrivés au bout, ce pour 20 pondus. Tu as la même chose pour la truite, avec le nombre d'œufs qu'elle peut pondre en rivière par milliers, et de savoir que dans ta rivière, les alevins de l'année, ils sont combien ramenés au mètre linéaire de cours d'eau. Donc, tout ça se mesure. Et pour l'abeille, c'est la même chose, c'est de savoir une population d'abeilles, combien elle est capable de ramener à la ruche, et entre sa sortie d'hiver et la rentrée, donc à l'hivernage, c'est de voir une population, comment elle vit et ce qu'elle a produit sur l'année. Et donc, ce sont des éléments qui sont pour nous essentiels parce que leur sensibilité aujourd'hui, on les connaît. On a perdu la perdrix. On n'a plus de Oui, perdrix naturelle. tu l'as perdu à partir de quelle période dans Elle a l'histoire, dans disparu quelle ici, elle a époque? disparu ici en 86, les toutes dernières. D'accord. D'accord? Mais elle a une multitude de raisons qui fait qu'elle n'est plus active. Hein? C'est un oiseau, déjà, qui a un âge de vie de 3 saisons, 3 ans, alors qu'on pourrait penser qu'elle pourrait vivre 10 ans. Et en fait, elle ne reproduit que 2 années sur les 3 qu'elle vit. Exceptionnellement, Déjà la trois. première année est perdue, quasi. Voilà, c'est l'élevage du jeune. Mais pour que l'élevage du jeune aujourd'hui, le jeune dont on pourrait penser que c'est granivore, faux, le poussin chez les gallinacés ne vit que de 100% d'insectes. Donc il doit trouver des insectes dès qu'il naît. Voilà. Et donc le problème de trouver sa nourriture pour un tout petit poussin perdrix qui pèse quelques grammes, il doit manger son poids en insectes tous les jours. Quand on mesure ça sur nos sols, eh ben on regarde nos sols, si tu le grattes en permanence, tu les cherches, tes insectes, tu les as pas. Si ton maillage parcellaire n'est pas bien fait, tu te retrouves avec peut-être des grandes zones où le secteur nourricier ben, n'est pas là, puisque en fait ce sont les mêmes types de cultures et ton maillage n'est pas bon. Donc c'est des clés fondamentales comme ça, la recherche d'insectes, c'est-à-dire qu'à chaque mètre que le poussin va faire, c'est énormément de calories qu'il aura perdu. Donc si les populations d'insectes ne sont pas hyper concentrées, l'oiseau est perdu. D'accord. S'il n'y en a que pour 2 ou 3 alors qu'ils sont 20, et qu'il doit faire des mètres, la météo n'étant pas là, je perds des éléments. Après, bien sûr, il y a d'autres types de prédations, qui sont les prédations animales, prédations mécaniques, prédations. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs. Mais le premier indicateur, c'est ça, c'est de bien comprendre ça. Et pour nous, agriculteurs, ce n'est pas notre souci. L'insecte n'est pas encore notre souci dans la partie agronomique. Pour la truite, c'est la même chose. Elle est énormément insectivore. Un cours d'eau doit produire beaucoup d'insectes. Mais aussi larvaire. Donc, doit produire beaucoup de larves dans son cours. Et pour l'abeille, eh ben, elle, ce qui est important, c'est tout ce qui touche à la pollinisation. C'est tout ce qu'elle peut avoir comme support sur lequel elle va polliniser. Et donc, là, on rentre dans la partie de toutes les plantes qui peuvent apporter, autant dans les productions agricoles que dans tout le maillage qu'il y a sur ton exploitation. Et une exploitation n'est pas nue, n'est pas un désert. Il y a un maillage bocager et il y a de la production agricole. Et donc, à partir du moment où, en 86, finalement, tu t'intéresses aux oiseaux, aux perdrix, tes chasseurs, tu perds les perdrix naturelles, on va dire, comment se met en place un projet, finalement, qui va reconduire à produire la naturalité? Parce que ça pourrait être Je a prendrais priori contradictoire. ce maillon d'histoire en se disant, je suis né avec une génération
qui, pour sortir de son activité agricole, avait ce loisir de la chasse, la pêche ou la cueillette. Et qui est nos grands-parents. Et on a été formés plus avec nos grands-parents à la nature qu'avec nos parents dans la nature. Et ça, c'est important parce que eux, ils chassaient avec un lien qui était le chien. Et le chien, chaque chien était choisi en fonction de l'espèce chassée. Je chassais le lièvre, j'avais mon chien pour chasser le lièvre. Je chassais la perdrix, voilà. Et la génération qui a suivi derrière a dit, on n'a pas le temps, nous, on veut chasser, on veut commercialiser le gibier. Donc, ils ont commercialisé le gibier parce que les moyens de conservation et tout ça sont arrivés. Je me suis performé dans les outils de chasse, dans les fusils, dans les équipes de chiens. Et puis, je chasse ce que je veux. Donc, c'est-à-dire, je prends tout, même si je ne chasse pas l'espèce avec les bons chiens. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je prélève plus que ce que le territoire peut m'apporter. La population de préleveurs a aussi grandi. C'est-à-dire que la population de chasseurs, proportionnellement, les gens se sont mis au loisir, mode de vie a grandi. Les années 60 à 75, ça a été le déclin du petit gibier pour la Bretagne. On a perdu la perdrix totalement. On a ramené la population lièvre au plus bas, mais ce sont entre la partie mammifère et la partie oiseau, les deux espèces emblème de notre territoire. Et puis après, on a introduit le faisan parce que bah, il nous fallait quelque chose. Et on avait la chasse populaire qui était le lapin, mais le lapin incompatible avec l'agriculture si population trop élevée, trop élevée. On a introduit la maladie pour le lapin, on lui a réglé son problème en 62, la myxomatose. Et donc, voilà, le dossier lapin aujourd'hui vit une situation de danger puisque maintenant il ne vit que d'épizooties de maladie. Surtout basé sur des virus. Et donc là, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Donc on essaye de lui lier de l'habitat, mais c'est là aussi qu'on voit si on est capable de développer une population de lapins, de lièvres, de perdrix, de faisans, en relation avec ce que nous, on pratique dans l'agriculture, c'est-à-dire la mosaïque de notre exploitation. Donc ça, ce sont des indicateurs. Et aujourd'hui, donc l'espèce perdrix peut revenir, mais seulement si on s'en donne les moyens. La grande responsabilité, c'est l'acteur sur son terrain qui doit admettre la décision. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas ça au monde de la chasse qui consomme aujourd'hui. Il y a des beaux territoires qui existent et qui démontrent, là où je suis gestionnaire, on sait faire. Donc on est dans le respect des espèces et ne pas dire que c'est le territoire qui ne permet plus d'avoir ces indicateurs au sens naturel des choses. Donc, à partir de quand tu mets en place une réflexion finalement sur cette mosaïque, sur la réflexion des habitats finalement, la réintroduction naturelle des espèces et leur gestion, parce qu'il faut aller jusqu'au bout Ah oui, finalement. tout à fait. Tout à fait. C'est que j'ai démarré en 98 et le constat a été où? Ces quatre espèces-là que je cite sont sujets à de très très grandes prédations. D'accord? Et donc, on savait que quelques individus restaient, mais le seul problème, c'était comment redévelopper. Donc, on a beaucoup travaillé sur la prédation et connaître d'abord ses prédateurs principaux. Et en fait, on en a fait une unité de mesure au 100 hectares, quelle population de prédateurs j'ai. Mais c'est la même chose pour nos cultures. On va parler de la limace qui est un prédateur, mais qui peut être aussi un atout. Le seul problème, c'est qu'il faut gérer les populations, les connaître et de savoir aujourd'hui où sont les intérêts dans le système. Et en fait, donc de quelque chose qui est passionnel, j'en fais le constat dans la gestion de nos sols aujourd'hui. Et donc ce que j'ai mis en place, c'est d'abord faire les inventaires. Qu'est-ce qu'il nous reste pour pouvoir réintroduire, redévelopper? Donc on commence par l'état des lieux, tout État d'abord. des lieux. D'accord. État des lieux. On recherche les causes après, sur justement ces niveaux-là. Et pour relancer quelque chose, quels sont les moyens que l'on peut mettre en place? Et ils sont multiples. Et non. Et la plus grande des choses, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul. Pourquoi? Et ça oblige aux gens à se souder entre eux et rentrer dans le sujet. C'est-à-dire que on prend une perdrix, son territoire vital, c'est 1,5 km autour de sa zone de naissance. Puisqu'elle fait comme l'abeille, une compagnie de perdrix née, par exemple, en 2019, elle va essaimer en janvier-février 2020.
L'SMH, c'est quoi? C'est simplement, c'est que dans une campagne perdrix de 8 à 15 sujets qui peut rester en sortie d'hiver, tu as un ratio poule-coq. Elle s'accouple. Donc, chaque oiseau peut décider, moi je change de territoire, je m'expatrie puisqu'on est trop nombreux là, je vais à 500 mètres, je vais à 1 km. Donc, si chez mon voisin il n'y a personne, chez le voisin, le même schéma ne peut pas venir chez toi, concentrer une population. Donc, on essaime tous les ans sur des populations qui resteront tout le temps faibles. Si ton territoire est trop petit. D'accord. Le territoire de voisin n'ayant aucune gestion, ben, prélève, et ne permet pas de réensemencer. Donc, tu restes sur les populations faibles. C'est le D'accord. sujet de la perdrix. Donc c'est le premier sujet, une fois que les comptages sont faits, l'état des lieux, c'est travailler ensemble finalement. Voilà. Alors, comment fédérer? Ouais. Comme pour fédérer un modèle agricole, c'est exactement la même chose. Voilà. Comment on prend conscience que sur le dossier environnement tel que l'on a connu aujourd'hui, les enjeux de l'eau, les enjeux des sols et tout ça, comment fédérer pour que ça marche dans le même système? Parce que, en fait, nos territoires, c'est une mosaïque sur différents modèles de production que l'on a. Et le plus difficile, c'est culturellement, on a toujours 30 ans de retard par rapport à une réalité. C'est-à-dire que moi, je considère que ben, dans le sujet de la chasse, pardon, je fais partie de la génération sacrifiée. Oui. On n'a jamais connu le grand plaisir de tous ces petits, tous ces petits gibiers. Et si on venait à le restaurer, on partira avant d'avoir les grands bénéfices de ça, parce que c'est très long à mettre en œuvre. Mais ça peut aussi être rapide. Et pour que ce soit rapide, il faut que ce soit collectif. D'accord. Donc, premier travail, le collectif. Exactement. Et Donc, ensuite. c'est qu'on a créé ce territoire-là, donc sur plusieurs communes, et je me suis rendu compte que pour œuvrer, c'était dans l'idée bien, mais pour perdurer, c'était compliqué. Je préfère être de la consommation, de décider à la consommation, et de ne pas respecter forcément les collègues qui ont participé à ces travaux-là, parce que j'estime, quand on fait partie d'une association, j'ai payé des droits, j'ai droit de. Mais on oublie très souvent la partie droit de faire d'abord avant de consommer. Et donc, c'est un peu ce qu'on connaît aussi dans notre agriculture aujourd'hui de production. On ne comprend pas forcément le schéma du producteur, tout ce qu'il a façonné pour faire, mais on est capable de lui dire tout ce qu'il ne doit pas faire. Et on est dans le même schéma. La seule différence, c'est que nous, là, on a un outil économique, tandis que notre territoire, c'est le milieu naturel, c'est notre indicateur de fonctionnement, c'est notre image, donc c'est notre pensée. On est là, on n'est pas dans la volonté de dire, on fait disparaître tout ça, je casse tout le maillage bocager parce que. Et tout ça, ce sont des éléments fondamentaux pour bien définir notre territoire, notre culture et notre approche de ça. Et donc, comprendre ces espèces-là veut dire, eh ben, je dois respecter mon cours d'eau, le comprendre et le connaître, mais il n'a pas d'intérêt économique. Comprendre le bocage, il n'y a pas d'intérêt économique premier, puisque notre vocation, c'est l'élevage, polyculture, l'élevage. Donc tous ces schémas-là, c'est comment donner de son temps pour construire tout ça en se disant que si mon voisin, je ne l'amène pas à faire, eh ben, je perds mon temps. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc aujourd'hui, je suis sur un peu un repos biologique de certaines espèces en attendant de pouvoir construire ça. Donc aujourd'hui, on a tout émaillé pour avoir un territoire pour le mettre en place. Le plus important maintenant, c'est comment fédérer les agriculteurs, comment fédérer les chasseurs, plus penser consommation pour faire tout ça. Eh bien, ça n'est pas simple. Mais ce dont j'en suis sûr aujourd'hui, le jour où ces éléments-là sont réunis et se développent bien, on est dans le vrai schéma de la biodiversité. Donc toi, tu pars du principe que la biodiversité, tu peux la produire. On doit la produire. Comment tu t'y prends, Et ou comment tu t'y prends? dans le mot biodiversité, on va mettre quoi? Je mettrais déjà, bio c'est une chose, mais diversité, c'est d'abord la diversité des hommes qu'on a sur son territoire autour. On a la diversité des exploitations et des modèles d'exploitation qu'on doit intégrer, et on doit intégrer toute la partie diversité des systèmes que l'on a entre la partie végétale et la partie animale. L'exploitation générale des années après-guerre à 70 était basée des poules, des bovins, des porcins, Céréales, des céréales. l'herbe. Exactement. Donc on avait la plus grande diversité qui existait en allant aujourd'hui vers une spécialisation qui s'affine
et sur des systèmes beaucoup plus monoproduction qui renferment cette diversité-là. Et donc, à un moment donné, ben, on a toutes ces questions-là à se poser. On est moins accueillant pour certaines espèces, c'est ce qu'il nous indique, en se disant, ben, le modèle que l'on a là fait diminuer ou augmenter les populations. Et donc, tous ces schémas-là, ben, nous amènent où? C'est que, quelque part, on se rend compte aujourd'hui de passer de cette multiproduction végétale et animale à quelque chose où on a fini une production animale et une production végétale. On va prendre porc, maïs, hein, on prendrait au pire bovin, herbe. C'est ce qu'il peut y avoir de pire pour la biodiversité. Donc D'accord? ça veut dire que tu enlèves les éléments de diversité déjà. Mais Voilà. tu commences par l'homme, tu Oui? commences pas par la perdrix. Non, je commence par l'homme. Mais on se rend compte qu'avec ça, ben, c'est pas le schéma. Mais derrière, on s'est rendu compte aussi, c'est que de faire des maïs sur maïs sur maïs sur maïs, c'est que notre milieu vivant qui est le sol, on l'impacte aussi de la même manière. Et toute la diversité de l'infime sur le sol, de la bactérie à tout ce qui est des insectes et du monde végétal sur le sol, on a créé des adventices toujours les mêmes, toujours les mêmes systèmes. Et donc, tous ces schémas-là aujourd'hui, il faut bien comprendre que le point clé, c'est la gestion du sol vivant, qu'il faut à tout prix nous amener à connaître, à simplifier, mais surtout à diversifier. Donc aujourd'hui, ben, on se rend bien compte que de revenir à des choses rotationnelles sur l'exploitation aujourd'hui apporte de la diversité dans tous les domaines. Donc, tu t'es pris de quelle manière pour finalement faire d'abord un îlot de sauvegarde? Parce que Alors, avant d'embarquer les collègues, c'est pas si évident que ça. voilà. Il y a d'abord la connaissance qu'on n'a pas à tous ces niveaux-là, connaissance des sols, conduite des végétaux. Je suis avant tout éleveur dans un premier temps. Ma formation, c'est produire du porc. Et le plus difficile, c'est aujourd'hui de s'approprier le fin de la technique qu'on a mis au niveau du cochon. Ben je me rends compte aujourd'hui que quand on rentre dans le fin de la technique du végétal, on est sur les mêmes approches. À la seule différence, c'est que le monde végétal et le monde animal, ce n'est pas la même chose. Hein? Le monde animal aujourd'hui que l'on a, il est sous bâtiment, et il sera demain sous bâtiment, et le monde végétal demain sera sous couvert, mais dans un autre type de milieu. Et donc, à partir de là, eh ben, on doit s'approprier d'avoir été élevé à l'habitude du travail du sol, de la simplification des productions. Pour venir à quelque chose, eh ben, il faut qu'aujourd'hui, on travaille avec notre sol. C'est lui qui nous dit comment le conduire pour qu'il soit encore plus productif. Quand tu fais le parallèle, je mets mon sol sous couvert, Oui. d'accord? Et pareil, je mets mes cochons sous couvert. Oui. Ça paraît quasi évident, d'accord? Sauf que la simplification extrême, elle n'a pas forcément fonctionné comme ça. Je fais Non. que du maïs, Oui. avec du travail du sol. Donc, comment tu vas mettre ce premier maillon de la biodiversité, ton sol et ton maillage, sous couvert? Pour l'élevage, on est allé à l'extrême de l'avoir mis tout sur calibotis. Et il y a des étapes de vie de l'élevage qui te permettent de dire, je peux utiliser des ingrédients du sol qui permettraient de retourner avec intérêt au sol. Donc, Par exemple. j'ai tout de suite compris, et je suis parti là-dessus au départ, les animaux sur litière, il y a dans le maillage de la production porcine une étape sur laquelle j'estimais qu'il pouvait se faire, c'était de mettre donc les truies gestantes sur paille, en groupe, parce que de nature, le cochon, il vit en famille, il vit en groupe, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc c'est ce que j'ai construit, c'était une formule pas chère de bâtiment. Par contre, de dire qu'on pouvait mettre les truies en plein air ou les truies en semi-liberté sous bâtiment sur paille, en technique et en retour économique, beaucoup trop de risques. D'accord. Donc on a perfectionné ce temps court qui est la partie naissage et allaitement, la technicité est importante, Qui dure combien? Un mois? 21 à 28, 30 jours, suivant les conduites d'élevage. Cette partie-là, c'était simplement de protéger l'élevage du porcelet sous la mer, en sachant que un élevage a une vocation économique, il faut en produire et en produire beaucoup. Donc pour les sauver, il faut se donner les moyens matériels de le faire. Donc ça a toujours été le challenge breton.
Donc on sauve les porcelets, en fait. La priorité, voilà, la sortie risque. du risque de vie, C'est de ça. perte de vie du porcelet. Une fois qu'il est lancé, il est sevré, c'est un autre sujet. Donc la mère, à partir de ce moment-là, quand elle est en repos de gestation, on peut lui donner un autre statut puisqu'elle est uniquement en repos. Donc là, on a mis des bâtiments et on y trouve de l'intérêt, c'est que par rapport au lien au sol, on est dans le schéma, on produit une déjection que on valorise pas, on la produit parce que on est arrivé au stade de dire c'est un déchet. Oui. Le lisier, il a son statut qu'on lui a donné, mais on ne l'a jamais pris en considération, sauf dans la décennie qui vient. On le valorise de plus en plus, d'un côté surtout énergétique, et on ne se rend pas compte qu'on pourrait certainement l'approfondir sa connaissance pour le ramener encore dans de meilleures conditions sur la partie végétale. Et donc, la même chose pour les fumiers. Et donc, la partie de la valorisation sous couvert, c'est que ces effluents-là, ce sont les bases de l'alimentation de la vie de ton sol. D'accord. Et donc, bah, l'intérêt d'avoir un lien, d'avoir un sol toujours couvert, c'est que on a des éléments qui viennent du sol qui sont des éléments de couvert, qui sont la paille aujourd'hui. Mais on doit pouvoir aller beaucoup plus loin que ça en se disant qu'est-ce qui peut être encore d'intérêt majeur pour le couvert. Et aujourd'hui, je m'intéresse au bois sans avoir la connaissance, en se disant que c'est encore. Et en fait, on remarque que tous ces éléments-là, qui sont des dossiers végétaux sur lesquels l'apprentissage doit être fait entre un bois et une paille, et des jeunes plantules que l'on sème en termes de couvert, qui sont par exemple des moutardes, des nigères, et qui sont des plantes vertes, ont des niveaux d'apport totalement différents. Lorsqu'on a affaire à des matières vertes sur lesquelles on couvre notre sol, on va avoir une biologie et un apport nutritif totalement différent que si on apportait du bois. Et en fait, on constate lorsque on laisse travailler le sol que toute une biologie microbienne se met en place, de champignons se met en place, d'insectes se développent dessus. Et derrière, c'est là que j'ai compris le secteur nourricier pour toute notre petite faune. Il est là. Donc mon dossier est parti, je le gagnerai là-dedans. Et on en revient à ce que faisaient les générations d'avant. Les talus, ils étaient tous fauchés et on laissait la matière dedans si on ne la valorisait pas. Mais par contre, ça te faisait des. On parle de cabanes de vers de terre, mais ici, ça faisait des cabanes à insectes sur le talus et qui étaient certainement des choses qui doivent nous apporter des éléments que je ne connais pas. Quelle était la gestion de ton grand-père du talus? Parce que c'est peut-être intéressant de la donner, parce que très peu de gens connaissent ça, en fait. Ils passent Ben, tout à la faucille. exactement. C'est que, en fait, ramené à ce qu'on a vu, nous, étant enfants, sans prendre conscience, le schéma était d'intérêt. C'est-à-dire que pour 10 000 mètres carrés de terre que tu as 95 000, 98 000 qui étaient à la culture. Mais le reste, le talus en lui-même, est non productif directement pour la nourriture de l'élevage. Mais par contre, a une valeur litière, énergie, sur lequel les anciens s'appropriaient. C'est-à-dire qu'en fait, le bois ne dépassait jamais 5-8 ans, et toute la litière de talus était destinée pour les animaux, soit alimentaire, soit de paillage. Et donc, 100% de la parcelle était valorisée d'une manière ou d'une autre, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et cette partie-là, on en a vu le constat, c'est que certains qui étaient passionnés de chasse laissaient toujours un pourcentage de monticules sur les pieds de talus. Et j'en me rappelle un qui m'avait parlé, là-dessus tu trouveras toujours des fourmis, des choses comme ça. C'est leur cabane de demain, comme on peut parler de cabane de vers de terre. D'accord. Et ça, c'est des choses, disons, c'est substantiel dans la connaissance, mais c'est par la passion de quelque chose, tu te dis, mais c'est. On a un lien d'intérêt dans nos pratiques là, mais aujourd'hui on a un sujet pour nous qui nous tient à cœur, c'est la vie du sol avec les êtres qui travaillent notre sol, plutôt que de mettre des chevaux vapeurs mécaniques. Et indirectement, eux, ils avaient cette partie insecte qui jouait un rôle d'antiprédateur ou de fonctionnalité au niveau du végétal. Et peut-être, et j'en suis convaincu aussi, c'est que justement, ils avaient un maillage tellement petit,
tout autour, parce que la parcelle c'était 3000 mètres carrés à 5000 mètres carrés de moyenne, voire 10 000 mètres carrés, c'était les grands champs déjà d'époque. Un hectare, c'était grand. En fait, on parle en journal. Tu sais, le Oui, journal, c'est oui, la oui. force de travail d'un jour de cheval, Tout à fait, tellement. tout à Alors, fait. c'est un demi-hectare, en gros. Et cette partie-là, c'est qu'aujourd'hui, on a uniformisé les systèmes de cette multitude de parcelles. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des parcelles de 5 à 10 hectares aujourd'hui. Donc, on en a bien des faits entre 5 et 20 parcelles pour faire une parcelle aujourd'hui qu'on uniformise avec 3 à 5 profils pédologiques différents. Puisque si on reprend le dossier MSA que l'on avait, pré-land terre, aujourd'hui, dans une même parcelle, on a ça, mais on voudrait que le blé soit produit du même niveau, du même topo. Donc toute cette biodiversité-là, on l'a balayée, on a impacté, mais inconsciemment. Oui, enfin, la politique a aidé, ça a été le remembrement, ça a été tout ça quand Voilà, même, donc on voilà. a encouragé les Oui, paysans à le oui, faire. oui. Et donc du coup, ben, nos indicateurs aujourd'hui sur lesquels je me base là, montrent bien aujourd'hui que ben, ils ont une certaine difficulté, mais que par contre, ils vivent quand même très bien. La grande chose qu'il y a, on peut encore conforter ce retour-là par différentes façons de faire. Donc, le changement de pratique, il arrive quand finalement? Donc, 98, c'est l'état des lieux, le constat, quelque part. Sur la biodiversité, oui. Sur les enjeux environnementaux, c'est avant ça, donc puisque professionnellement on est concerné par le dossier nitrate, mais puis tout ce qui il y a eu comme événement après derrière. Mais sur le plan des pratiques personnelles, cette prise de conscience-là a été avant 2000, l'exploitation, donc on n'avait plus de travail de sol, si ce n'est que donc le travail de surface. Et 2007, on est en semi-direct, en sachant qu'en 94, on savait déjà que les couverts rentraient. Mais la vocation des couverts protection de sol, ça n'avait qu'une vocation à répondre à des normes administratives sur lesquelles on nous exigeait donc pompe à nitrate et non protection couverture de sol. Donc ces sujets-là ont duré un certain nombre d'années et je me suis rendu compte qu'est-ce qui se passait? Ben, les collègues qui faisaient du miel me disaient c'est très intéressant vos couverts, on fait des essais, mais nous lorsqu'on récolte en août, les abeilles ont encore 1 à 2 mois pour se renforcer et refaire la ruche. Compatible avec ce que nous est demandé, mettre des couverts ou passer l'hiver. Et derrière, sur le plan faune sauvage, on voit un retour du gibier sur la période hivernale se mettre dans ces parcelles-là. C'est-à-dire, on chasse en plaine jusqu'au mois de novembre le petit gibier. Et vient après, c'est que le chasseur, son mode de chasse, donc c'est la bécasse, mais c'est aussi le gros gibier, on chasse au bois. Le gibier est allé au bois quand on était en plaine, est sorti des bois pour retourner en plaine. Mais quand la plaine n'a pas son couvert, n'a pas son gîte, qu'est-ce qui se passe? Ben, le gibier n'a pas de zone de refuge. Comme le chasseur ne va plus dans la plaine, mais comme la plaine était à nu, ben, le gibier, il se met là où il peut. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, les zones en plaine qui ont eu leur couvert deviennent des zones de refuge où le gibier, personne ne pensait aller chercher au départ. Et on a fait le constat là, c'est que au printemps, on se retrouve avec des gibiers. Mais où ils étaient passés, et en fait c'est ça. On a renforcé le système de pollinisation, c'est-à-dire que les abeilles ont fait un travail positif. On a renforcé la faune sauvage, inconsciemment, naturellement on fait le constat de ça. Et derrière, la protection des sols est jouée aussi. Alors le dossier abeille, tu le gères comment là, dans cette espèce d'approche biodiversité de l'espace de production? Ne Ça connaît. a démarré quand cette histoire sur l'abeille? Pareil, Ah pareil. oui, l'abeille J'ai derrière. mis tout le monde en même temps, puisque naturellement, on avait la problématique des milieux aquatiques et de tout ce qui se passait en rivière, nitrate, dégradation des milieux cours d'eau, curage des fossés, tout ce que l'agriculteur pouvait impacter. Donc, on avait ça, mais moi, ma passion m'a amené tout de suite, de toute façon, naturellement, ça m'a toujours intéressé. Mais la coïncidence, c'est que tout était en même temps, finalement, parce que les couverts se sont mis en place, mais on faisait des couverts uniquement pompe à nitrate. On n'a pas dit pollinisateur, on n'a pas dit tout ce qui va autour, faune sauvage. Et le constat, c'est que d'un monocouvert, on est arrivé à des populations de plantes. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les monosystèmes, partout où ils sont loin d'être aussi intéressants qu'une diversité de plantes ensemble. Puisque, en fait, ça travaille d'intérêt commun.
Et on se rend compte que les systèmes racinaires, c'est comme ça, que le système végétal, il est comme ça, et le système floristique, il est comme ça. Donc, ça apporte. Et donc, on a mis en place ces éléments-là qui nous amènent donc, en pollinisation. En pollinisation, j'ai demandé à un rucher de venir et de m'expliquer un petit peu comment il fonctionnait. Et quand j'ai expliqué aux gens que, apporteurs, vous avez fait votre récolte, nous, dans le champ, on a fait notre récolte. Et comment on fonctionnait pour l'hiver? Eh ben, l'hiver, on fait des apports complémentaires, on n'a rien. Et 2, 3 années après, il m'a dit, mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu besoin d'apporter de compléments alimentaires aux ruches pour passer l'hiver. Elles ont bien vécu, sur le plan santé, certaines ont souffert, mais ça n'a rien à voir avec le côté alimentaire. C'est plutôt sanitaire, viral, des choses comme ça. Et c'est là, je dis, moi j'aimerais savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'abeille a rentré mois par mois dans l'année. Donc les derniers apports bocage, ben c'est août-septembre, c'est les miels de lierre, et c'est une des dernières plantes du bocager qui apporte. Bon, il reste encore octobre-novembre qu'on pourrait quelque chose. Et les couverts, on s'est rendu compte qu'en mettant du multi-espèces, ben tu as des plantes août, septembre, octobre, novembre, il y a encore de la floraison différente qui arrive suivant les plantes que tu as choisies. Et donc de l'activité que tu peux mettre là. Et beaucoup d'activités. Alors après, ce que l'on a cherché à comprendre, il nous fallait une solution, mais je voudrais savoir quelles sont les plantes qui rentrent. Ben, il me dit, c'est simple. Tu mets une trappe à pollen et je vais te mettre ça pour savoir les pollens qui rentrent. Et je vais mettre une ruche témoin dans une zone qui était crozon, où pas d'agriculture, que des landes, des pins et tout ça. Le constat a été surprenant, c'est qu'en fait, on a eu 10 fois plus de variétés pollen à rentrer que dans un système pur land. D'accord. Donc l'agriculteur avait un impact positif s'il le veut. Voilà. Donc on avait mis, à l'époque, j'avais mis pour le gibier déjà chair mellifère, floristique et de graines diversifiées. Donc des jachères faune sauvage financées par la Fédération des chasseurs, nous a permis de découvrir en fait que quand on choisissait ben, des types de plantes à floraison, ben, on mettait l'enjeu mellifère en place de la même manière, donc étalé sur l'année. Mais l'enjeu, la même chose, c'est que ta jachère mellifère, tu te rends compte que tu as énormément d'insectes qui viennent dedans aussi, pareil. Et donc, ben, voilà, on se retrouvait dans l'intérêt commun, encore une fois de plus, dans les zones où on n'apporte plus d'entretien, des choses comme ça, on peut imaginer justement qu'il y a des enjeux. Et il faut qu'on soit partenaire aujourd'hui de ce modèle-là, c'est-à-dire que d'avoir une agriculture très intensive, mais d'avoir aussi ce partenaire, donc apiculture, sur lequel ben, eux, ils peuvent en commun exploiter avec des productions agricoles. Et ça, c'est fondamental. Donc, ils ont le maillage bocager, ils ont les couverts, on peut être hyper partenaire, et nous, derrière, on peut se retrouver cette partie-là, où cette partie insecte peut aider énormément aussi à la pollinisation des cultures. Et on l'a fait. Donc aujourd'hui, ce que l'on a, on sait qu'au niveau des pollens, on a une diversité par rapport au bocager et par rapport aux cultures que l'on met en place. On sait ce qu'on peut faire, on sait quand on doit mettre et le type de plante qu'il faudrait mettre pour cette partie-là. Et après, ce qui est aussi important, c'est qu'on oublie tous les pollinisateurs sauvages. Tout ce qui est syrphe, guêpe, bourdon, ces choses-là, ben plus on met du panel de plantes, plus tu as une diversité d'insectes et tu développes. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de ce témoin-là. On est allé beaucoup plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, avec un collègue apiculteur, on savait qu'il existait une façon de pouvoir suivre une ruche et qu'il y avait donc un système pour pouvoir suivre l'activité de la ruche. On avait l'activité santé, mais pas l'activité de la ruche. Et l'activité de la ruche aujourd'hui, c'est d'avoir un pesant électronique aujourd'hui qui nous mesure à l'instant T, donc on suit ça par Internet, de voir la quantité de production à la journée de ce que fait la ruche. En fonction de la sonde de température qui mesure à 5 degrés, 10 degrés, 12, 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés, son activité. En fonction de l'hygrométrie, son activité. Et ce qui est impressionnant, c'est j'ai un seuil de température pour démarrer, aller au travail, et j'ai un seuil de température pour m'arrêter de travailler. Plus il fera chaud et trop chaud, on s'arrête, on fait le Mexicain
quelque part et je me mets à la sieste. Elle ne travaille pas. Et en fait, ça se passe entre 15 et 25 degrés. Et on est capable de voir la ruche qui, certains jours, consomme sur elle-même parce qu'il fait 10 degrés, personne ne va au travail. Et le lendemain, il fait 25 degrés et tout le monde a comblé le trou consommé dans la journée. Et c'est pour ça intéressant. Et l'événement le plus important que l'on a vu, c'est que la ruche, fin juin, a perdu 1,7 kg de sa production en un jour. Cette année? Cette année. Oui, mais t'as vu le temps qu'il y a eu. Et on peut penser ça. Ouais. Et c'est pas ce qui s'est passé. D'accord. L'apiculteur, lui, il a compris. Moi, je l'ai pas compris. Et donc, Elisabeth l'a eu au téléphone. Il a demandé, es-tu sûr qu'il n'y a pas un essaim d'abeilles autour de la maison? Parce que j'ai perdu 1,7 kg là. Et je suis quasiment sûr que ça a essaimé. Oui, d'accord. 3 à 5 jours après, l'essaim était dans la cheminée de la maison. Et c'est là que c'est intéressant de dire que, par contre, aussi de comprendre quand on a perdu tous les ouvriers pour aller au boulot, bah, la production, bah, voilà. Voilà. Et c'est très important. Donc, on a récupéré l'essaim. Et là, on a eu une grosse période de 15 jours sans pluie, que du soleil, en pleine floraison des châtaigniers. Il n'a jamais vu une ruche se faire comme ça, donc une ruche qui redémarre avec un nouvel essaim et l'autre qui existe, mais d'être capable de passer de quelques kilos à plus de 15 kilos en l'espace d'une semaine à se refaire comme ça, quoi. Et en fait, l'essaimage, ben, si tu ne suis pas, tu perds ton essaim. Donc, D'accord. de une ruche, il est passé à deux en production. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre tous ces phénomènes-là. Donc, moi, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est sur l'exploitation, aujourd'hui, pour mesurer la biodiversité, ce sont toutes ces mesures-là. On a un autre exemple, c'est tout ce qui est des rapaces. Aujourd'hui, on collecte les pelotes de réjection de tous les rapaces. Alors, on les trouve où? Ben, on les retrouve sous les zones où ils peuvent reproduire sur l'exploitation, c'est-à-dire les vieux bâtiments. Mais on les retrouve aussi sur les ballots de paille à une certaine période. Voilà. Et ça nous a permis de mettre en évidence que sur le parcellaire, donc en relation avec un organisme, le groupe mammalogique breton du secteur, de nous dire, voilà, on a analysé vos pelotes, vous avez 9 macro-mammifères dans votre champ. 9. Alors on a essayé de savoir, oui, la musaraigne, le mulot, le campagnol. Voilà. Mais non, vous en avez 9. Alors, le rat des moissons, vous connaissez? Oui, j'ai entendu parler. Donc, de l'Hérault, vous connaissez? J'ai entendu parler. Donc, tout ça vit là. Et donc, on a un système de vie. Et c'est là qu'on comprend aussi pourquoi on a autant de trous dans les sols. Et en fait, on a plusieurs populations qui vivent. Mais il y a aussi les macros qui existent. Je pars du talus, je vais pas très loin. Donc, j'ai pas de haies. Voilà. Donc, on a toutes ces diversités-là. Et donc, on sait aussi, ça nous permet de voir au niveau des rapaces que l'on a, quel type de chouette on a, et toutes ces espèces-là. Donc on suit ça, donc ça on sait. Donc pour la partie gibier, on l'a, pour la partie abeille, on l'a. On a aussi d'autres collègues qui ont la même chose pour les mésanges. Oui. D'accord? Donc ils font des comptages de nids au printemps. Voilà. Ils sont capables de nous dire, voilà, on a une population de mésanges qui a eu une bonne année de reproduction, une mauvaise année de reproduction. Ils font une journée de comptage où ils ont mis des boîtes l'hiver pour avoir des habitats. Et à partir de là, ben, ils détectent, voilà, cette année c'est une belle année à insectes, on a énormément de petites mésanges, on a une année catastrophique, on n'a pas de reproducteurs, les reproducteurs, les nids sont vides, il n'y a personne. Voilà. On peut être en milieu dégradé. Donc, on le fait en fait pour toutes les espèces et de mesurer à quel point on a une diversité sur notre exploitation, dont on est une exploitation à vocation intensive. Et du coup, toutes les polémiques qu'il y a eu sur les abeilles, là, quand tu travailles avec ton apiculteur, finalement, c'était relativement simple à résoudre. Parce qu'il suffit de suivre un petit peu, connaître les abeilles, et il faut qu'il y ait de la nourriture, tout simplement. Oui. On est, comme dans le message de l'élevage de porc, dans l'accusation. Oui. On est dans le même message avec les phytos, mais on est capable de démontrer que c'est pas parce que la ruche vit à quelques mètres de la parcelle qu'on met en danger, qu'on détruit la ruche. C'est pas vrai. Il y a un grand facteur pour la ruche, c'est la partie nourricière. Si l'année n'est pas à la production, si on a une année froide, sur des grandes périodes potentielles de production, qu'est-ce que ça devient, quoi? Et
ce que l'on peut démontrer aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment l'apiculteur nous a parlé d'hécatombe dans la ruche par rapport juste à un épandage phyto. La seule chose dont on doit faire attention, c'est que dans la partie phytosanitaire, on a trois parties: le plan insecticide, le plan désherbage et le plan fongicide. Mais on les met tous dans la même catégorie. On sait très bien que la partie insecticide, ici pour l'exploitation, on fait très attention. Ça fonctionne comment? C'est exactement que comme pour la petite faune sauvage, la perdrix ou la poule, arrivé à une certaine heure du soir, tout le monde rentre au bercail. On est d'accord. Pour l'abeille, c'est la même chose. Donc ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des heures sur lesquelles on ne fait pas d'épandage pour ne pas prendre de risques. Donc on fait attention à tous ces éléments-là. C'est la partie insecticide. La partie désherbage peut être faite tôt le matin ou dans les fonctions hygrométriques importantes. Si, y a beaucoup d'hygrométrie et qu'il n'y a pas de température majeure, l'abeille ne sort pas. L'abeille se met en activité au-dessus de 12-13 degrés. Nous, en phyto, on est très souvent dans des périodes de désherbage, on n'est pas dans des seuils comme ça, on est au printemps ou à l'automne, on n'a pas de mal à avoir des matinées entre 5 et 10, 12 degrés. Il n'y a pas d'activité à risque. Et on en fait un amalgame de tout ça. Et ça, c'est vachement important parce que il faut connaître le rythme biologique de l'insecte pour savoir si vraiment on peut être responsable ou pas. Bien sûr qu'il y a des erreurs de fait, on va pas dire qu'on va pas parler d'accident, mais c'est comme en élevage, on a aussi des accidents. Et là-dessus, si on ne fait pas attention, voilà, par la connaissance, voilà. Et moi, je veux amener justement tous les collègues à comprendre ça. C'est ce que l'on fait n'est pas un danger. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à acquérir cette connaissance. Voilà. Est-ce que je suis impactant sur ce que je fais? Alors après, dans le débat un petit peu plus élargi au niveau de cette biodiversité, toi tu te construis un projet, donc on arrête de travailler du sol, c'est le semis direct, la couverture du sol, etc. Donc c'est le gîte et le couvert pour produire la biodiversité. Et les cipants réglementaires, pompes à nitrate, engrais verts ou je ne sais pas quoi, on en fait des biomasses à fleurs, quasi. Oui. Alors, elles peuvent être à fleurs et à vocation carbone derrière. Elles peuvent être à vocation fourragère. On va penser à des trèfles, des choses comme ça. On a plein de solutions là-dessus. Ce qui est le plus important, c'est que, justement, en parlant de gîte pour le sol, c'est l'agriculteur va se poser la question, quelle finalité j'ai? Parce que c'est pas tout de dire, je pense aux abeilles par l'étage du haut, la fleur. Mais je dois penser en bas, par le système racinaire, où je dois structurer mon sol, apporter de l'habitat et de la vie pour toute la microbiologie, en sachant que si la nature a fait que tu as des plantes à pivot ou un système racinaire pivot ou un système racinaire en surface, l'activité recherchée n'est pas la même. Et donc là-dedans, c'est pareil, tu vas développer des populations d'acteurs au travail, soit vers le terre, mais soit insectes, des cortiqueurs et toutes ces choses-là, qui vont aussi apporter leur élément. Donc, c'est toute une connaissance qu'il faut trouver, connaître. Voilà, c'est ce chemin-là. Et cette partie des plantes-là auront aussi des vocations fédératrices en carbone, mais aussi en sucre, en plein d'éléments sur lesquels voilà, il y a encore. Alors, quand tu cultives des parcelles, du coup, quel est le schéma un petit peu directeur aujourd'hui, rendement, culture, tu l'amènes jusqu'où? Quel est l'objectif ou le potentiel? J'ai payé pour apprendre. Je considère mon exploitation aujourd'hui, je suis à même de mettre 10% de mon budget dans la recherche et développement pour me permettre l'erreur. Acquérir cette expérience. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux parler de cette manière-là que je n'aurais jamais fait avant. Ce qui était, tu passes du rêve à une mesure et après à une réalité. Maintenant, Donc la. c'est la mesure du résultat qui est la clé de l'action. Oui. Et donc une obligation de moyens, couvert végétal, pompe à nitrate, c'est un Oui. petit peu stupide. Oui, je dirais quelque part oui, dans la philosophie ou l'approche de la chose. On a répondu à quelque chose qu'on vit, notre génération n'a vécu que sur un système de répondre à des obligations. On subit. Et je voudrais qu'on passe à l'inverse. On propose et on décide. C'est-à-dire que le dossier environnement nous a amené. Vous avez des fuites, vous êtes conséquent, vous allez appliquer. Et ça, le schéma, pendant 20 ans, on n'a fait que ça.
Et aujourd'hui, avec la connaissance par le semis direct et tout ce qu'on sait faire dans le sol aujourd'hui, on doit être à même de dire que la culture intermédiaire ou la culture de protection du sol doit devenir le premier acte de décision du producteur. Et que la culture de production n'est que le résultat de ce que tu auras fait avant. Si on dit que on doit faire une forte biomasse en telle parcelle et qu'il faut la fertiliser, il faut qu'on la fertilise. Pour une vocation. Si on n'en a pas besoin et qu'elle a une vocation de structurer à un certain degré, on pourrait s'en passer. Mais ce qui est important, c'est que notre professionnalisme aujourd'hui nous permette de décider. Qu'on soit pas, on subit, on vous interdit. Vous êtes en pompe à nitrate? Non. On est en structuration de sol, de vie du sol, il faut qu'on avance. Et la même chose sur la partie phyto, sur lequel on n'a pas vocation à les utiliser par intérêt, par plaisir, puisque ça a toujours un impact économique, une conséquence économique. Donc, c'est une solution pour éviter des risques, mais voilà, elle est surtout préventive plus qu'autre chose. Parce que si elle devient curative en permanence, c'est sûr qu'économiquement, on ne fonctionnera pas. Et donc, ces enjeux-là, on doit passer justement de cette période où on subit à quelque chose, on propose et on décide. Alors du coup, un blé ici, quel type de potentiel? 75 tout? Ben, j'en reviendrai sur le résultat moyen, oui, 70 quintaux, en sachant aujourd'hui qu'avec les cartographies de mesure des outils de récolte aujourd'hui, dans la même parcelle telle que j'ai expliqué tout à l'heure avec différents profils pédologiques, on est capable d'avoir des zones à 40 quintaux comme des zones à 100 quintaux dans la parcelle. Voilà. Et il y a autant aussi à connaître par le potentiel variétal d'association de variétés. Il y a encore un chemin extraordinaire. Et la limite du potentiel, elle est certainement importante. Le constat que j'en fais, c'est qu'ici, en blé, on s'installait, on faisait 70, 80 quintaux, 60 pour de moyenne suivant les types de zones géographiques. Et qu'en 2020, on y est toujours là. C'est pas mieux, quoi. C'est pas mieux pour le blé. Pour l'orge, c'était l'inverse. Pour l'orge, on était à 50 quintaux, 60 quintaux. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont à 80, 90, 100 quintaux. Bon, la référence, bien sûr, blé-orge, en termes de productivité, c'est à peu près le même ratio. C'est pour ça que des gens, aujourd'hui, ont diversifié. Je mets de l'orge, je mets du blé. Voilà. Le blé n'a pas fait son chemin de progression comme l'orge l'a fait. Et comment on peut expliquer ça? Je cherche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un constat quasi général. Et depuis les années 90, les rendements stagnent, voire baissent. Oui. Oui, on est plutôt, moi, collecteur de céréales dans le voisinage, je fais le constat que les gars disent, on parlait plus facilement du club de 5 quintaux d'une époque, c'est plus une phrase aujourd'hui. Non. Parce que toi, tu es acheteur de céréales, c'est-à-dire tu fabriques l'aliment à la ferme. Oui. Oui, et puis naturellement en échangeant, ben ouais cette année c'est pas bon, j'ai des parcelles qui ont été moyennes, d'autres qui ont été bonnes, histoire de variété, histoire de sol, histoire de pratique. On n'a pas pu aller sur les terrains assez tôt, hein. Les terrains portent pas, alors que si t'es couvert, les sols couverts te permettent d'aller plus tôt. Donc c'est les petits enjeux, mais perdre 5% de production par rapport à tel enjeu, ou 5% là, c'est ce qui fait la différence. Une des idées, ce serait quand même d'améliorer la partie qui fait que 40 quintaux, c'est-à-dire l'ancien pré qui a été mis dans le champ, malgré tout. Ce serait quand même un enjeu de l'amener à 100 comme la belle partie. Est-ce que c'est possible, pas possible? Quelle est ta réflexion là-dessus? Parce que finalement, tu te dotes d'outils ou d'une réflexion moyen terme pour peut-être relever le défi. Un, je mettrai déjà la connaissance pédologique des sols. Est-ce que tout type de sol que l'on a ce potentiel-là? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas mon premier métier, mais c'est certainement la première question que je me poserai. Deuxième chose que je verrai, c'est potentiellement des sols pauvres à ce niveau-là, peut-on les faire produire à des niveaux aussi élevés que les autres, naturellement, par leur histoire? Je ne sais pas. Et
La troisième chose que je verrai, tous les sols pauvres que l'on a menés vers le haut ont été en général valorisés par du minéral. Est-ce que ces sols pauvres-là, revus d'une manière aujourd'hui qui est le sol sous couvert, vu d'une façon de fertiliser naturellement avec les éléments que l'on a aujourd'hui, permettraient de remonter aussi bien qu'avec du minéral, peut-être mieux? Donc, quelle est la réflexion que tu engages par rapport finalement à ta production de paille, de cochons sur paille, la partie gestation notamment, et finalement le maillage bocager, quelle est la place que prend l'arbre là-dedans finalement? Je me poserai la question de ce sol pauvre. Quels seraient les éléments en termes d'analyse qui me diraient ton sol, faut que tu le renforces structurellement, sur le plan de la texture de la même manière. En général, ce sont des sols qui sont riches en argile, qui sont plutôt hydromorphes, et sur lesquels il faut relancer une activité biologique. Donc, la question serait sur les éléments que l'on a sur l'exploitation. Est-ce que c'est par des paillages, des fertilisations organiques ou les valeurs bocagères qui peuvent aider à renforcer très vite ce développement-là? C'est un challenge. C'est un challenge. Convaincu que le bois certainement a un rôle important, mais une méconnaissance du sujet. Alors, comment tu l'abordes justement l'appareil, nouveau projet, Nouveau projet, bien sûr. nouvelle méconnaissance? Par les Comment? formations que l'on a sur le terrain aujourd'hui et les collaborateurs qu'on peut trouver, la connaissance, elle est là. Sur le D'accord. territoire en France, elle est là. Il y a des territoires qui sont avancés, mais il faut trouver l'information. Il faut trouver ces relais. Et c'est à nous de trouver justement, dans l'atout Bretagne que l'on a, c'est qu'on cette polyculture élevage que l'on a, c'est qu'on a un fertilisant qui s'associe aux éléments fibres, sur lequel il faut savoir, allez, quelque part, entre guillemets, on dirait savoir cuisiner ça pour justement apporter une fertilité ou une nutrition comme il se doit pour renforcer les sols. Voilà. Donc, C'est ton donc, bois, tu le mets à contribution. voilà. La question, Comment? c'est le bois. Comment peut-on valoriser un bois aujourd'hui sur l'exploitation autre que le système? Il est destiné à l'énergie, le reste, je ne valorise pas. Dans un bois, le bois valorise toujours le bois. Et la partie humifère est toujours référent de ce qui existe sur l'exploitation. Donc, si on peut ramener ça, nos sols, en production au même titre que la partie humifère des bois, il faut s'approprier tout ce travail. Donc ça veut dire que le bois, il pourrait être mis à contribution pour revenir dans les litières, par exemple. Oui. Alors le bois, mais autres produits ligneux qui existent, les fonds de vallée sur lesquels on va être concerné, doit-on laisser se refermer tous ces fonds de vallée ou doit-on les valoriser comme litière, donc entre la partie herbeuse, ligneuse comme les bruyères, les joncs, et donc le maillage bocager, tout ça peut-il rentrer en litière? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter en lien avec la matière organique donc des animaux sur le sol? Et quelle biologie, quelle amélioration on va constater? Donc ça, c'est le challenge que l'on a dans les années à venir, d'associer tous ces éléments-là que l'on a sur le territoire en disant qu'ils apportent tous une valeur. Pas forcément d'intérêt économique, mais d'éléments de structuration pour la productivité de ton exploitation. Enfin, là, ce serait l'idée de transformer une contrainte, c'est-à-dire exploiter, enfin gérer un milieu qui se ferme, qui Oui, va vers la oui, nature à 100%, oui. qui pourrait être beaucoup moins biodiverse finalement qu'un système ouvert, maillé avec talus et gestion de l'espace. Et du coup, c'est passer d'une contrainte de gestion à une valorisation du produit. Oui, sans qu'elle soit pour, à l'immédiat, d'intérêt économique premier, qui est le gros souci de l'exploitation. L'exploitation, c'est l'intérêt économique immédiat. Et donc, quel est l'intérêt économique de cette gestion différenciée de l'espace? Cet espace-là aura une contrainte majeure, c'est la charge de mécanisation qu'il y aura autour de ça, qui obligera, comme pour d'autres sujets abordés tout à l'heure, à se regrouper, comme par le biais d'écumas, des choses comme ça, pour justement mécaniser ça
et d'apporter de l'intérêt justement à une notion de territoire plutôt qu'à une notion d'exploitation. Donc la valeur de ce territoire qui pourrait se délaisser avec la déprise agricole, avec des politiques peut-être pas d'aménagement du territoire pas tout à fait à l'heure, enfin, calé, c'est comment dire, c'est d'essayer de le revaloriser collectivement, amortir un petit peu la contrainte, et après, où est-ce qu'on pourrait trouver de la valeur à ces produits-là? C'est à construire, ça c'est certain. Mais la valeur, la matière à sa place, et suivant le type de circuit qu'il y a dans l'exploitation, il y a un intérêt pour tout le monde. Maintenant, je suis convaincu que sur le plan santé animale, il y a du gain. Et indirectement, pour les premiers essais que l'on peut constater, il y a aussi un intérêt santé pour le sol. Le premier constat visuel que l'on a vu, c'est que quand on a composté ce produit-là, on a vu des populations de champignons en très peu de temps se développer. Donc je me dis que si c'était étalé en frais sur un sol, on pourrait imaginer la même chose, puisqu'il reste en surface, mais qu'on pourrait y trouver de l'intérêt à aussi le mélanger à d'autres produits. Voilà. Toutes ces choses-là sont à construire, à mesurer, comme on l'a fait déjà voilà, pour les autres choses. Donc, mais ça fait partie des projets de demain, certainement. Et la santé du sol que comment dire, que tu envisages, que tu perçois, qui est pas, tu sais, qui est une intuition, enfin, qui est une sensibilité plus qu'un résultat aujourd'hui. Tu le vois comment, quel effet, quel est le gain que ça pourrait entraîner? Alors, l'expression du sol qu'on a aujourd'hui, l'érosion, je connais pas. D'accord, donc déjà, il y a quand même un gain net pour la rivière, hein, et pour les truites, hein, et pour la communauté. Exactement. Ce qui est important, c'est le milieu de vie de la rivière. Par contre, le milieu de vie de la rivière est une chose. Par contre, aujourd'hui, la rivière, pour beaucoup d'endroits qu'on appelle très souvent le petit chevelu, sa contrainte, c'est l'abandon. C'est une zone peu productive. Elle est sanctionnée par des mesures environnementales. Elle est de peu d'intérêt économique. Et sur le plan faunistique et piscicole, c'est un milieu fermé. Donc, suivant les zones que l'on a dans les fonds de vallée, eh ben, c'est quelque chose aujourd'hui qui impacte sur la partie piscicole, mais sur le plan qualitatif aussi, puisque tous ces milieux-là qui sont fermés sont des milieux qui se retrouvent avec des développements de matière organique dans les cours d'eau. D'accord. Les matières organiques dissoutes qui transfèrent. Voilà, qu'on retrouvera sur le plan de la qualité de l'eau à l'estuaire. Donc, à un moment ou à un autre, voilà, c'est un travail qui n'est pas fait, mais qui n'est pas d'intérêt premier agricole. Et qui est d'enjeu environnemental, quelque part. Et donc des projets, ils sont sur essayer de valoriser ça. D'y trouver de l'intérêt à valoriser ça. Parce que le plus dur, je pense que c'est, pour l'instant et pour la prochaine génération, c'est de sentir que c'est quelque chose qu'il ne faudra pas forcément négliger. Et d'arrêter de se satisfaire, je ne prends que ce qui rapporte à 90%. Et les 10% qui rapportent peu, on s'y intéresse pas. La biodiversité ne sera pas ça si on s'occupe pas de tout ça. Parce que l'après-guerre, tout était valorisé et on a toujours dit que pour les indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, tout était florissant à ce moment-là. L'abandon s'est construit dans le temps et la mesure de tous ces indicateurs-là a fait soit la disparition totale ou le peu de potentiel de valoriser justement sur la table, puisque la truite elle est trop peu nombreuse, on la protège, on est dans la protection de l'abeille, on est dans la protection de la truite, on est dans la protection du gibier. C'est pas ça. C'est pas ça. Et aujourd'hui, si on remet sur la table ces gens qui savent faire, on saura faire. Oui, donc on est dans la production de la biodiversité, à tous les échelons. tous les échelons. Mais on a pris, je prends ces trois éléments-là parce que ce sont les éléments qui nous animent dans la nature. Quand on n'est pas au travail, voilà, si on aime la nature, on veut prélever ça, mais c'est aussi comme aller aux châtaignes, c'est aussi comme aller ramasser des noisettes en vague de panier. Mais ça fait partie d'un ensemble qu'on raconte, qu'on récolte sur l'année.
Et des tas d'histoires se construisent par rapport à ça. Mais aussi, ça peut être des choses qui fédèrent les gens entre eux. Est-ce que tu penses que de gérer tout ça, il y aurait une piste dans l'approche carbone? Je dirais que c'est presque fondamental. Le risque serait que les acteurs agricoles délaissent toute cette diversité en sachant que ce qui fera la diversité, c'est le dossier carbone. Le dossier carbone sur le sol, c'est la partie nutritionnelle de tous les indicateurs que l'on a connus là. Mais c'est aussi la partie nutritionnelle de ce qu'il y a dessous, ce qui joue l'enjeu de notre productivité des sols, la fertilité des sols et l'intérêt à la production agricole. Et la partie essentielle, c'est que le carbone a un rôle de stockage. Et donc, plus on stocke, plus on y trouve de l'intérêt. Donc, ce dossier carbone, là, pour moi, bien sûr qu'il est fondamental, mais il va avoir un fondamental sur tous les horizons, entre la structuration, l'érosion, comment on va dire ça, sur tout ce qui joue de l'hygrométrie, le réservoir d'eau, le tamponnage d'eau. C'est le dossier essentiel. Du coup, comment tu verrais se développer un projet de PSE, de paiement pour services environnementaux? Alors, je fais partie de Parce cette association-là. que finalement, tu démarres un projet comme ça. Alors, il est au niveau du département. Donc, on a une association qui s'appelle Allium, qui aujourd'hui est présidée donc par un collègue agriculteur qui a toujours cru en cette partie-là. Ces territoires rentrent dans le même schéma que j'ai expliqué là. On a des terrains qui ont peu de valorisation, mais qui sont des zones d'enjeu environnemental par rapport à d'autres territoires qui sont destinés à cette perte d'intérêt environnemental. Il est pour moi important justement, c'est que on s'y attache à ce modèle-là, donc pour prestation. Ce qui sera important, c'est au même titre qu'on est dans la production, on soit sans doute accompagné financièrement dans le même modèle que la production. Ce qui se met en place aujourd'hui, c'est que si on met à disposition des territoires à enjeu environnemental, c'est que la rémunération soit à hauteur de pouvoir y apporter de l'intérêt à les valoriser. Si on nous mettait dans l'obligation sans aide, sans accompagnement financier, dont on sait que ils auront des enjeux demain, ce sera l'abandon du système. Et donc on va rentrer dans la fermeture. Donc ton idée, c'est que finalement, la production, disons, ou la valorisation d'un espace doit devenir rentable quelque Oui, part, oui. et que la structuration d'un certain nombre de projets doit y aider, type un paiement pour service environnemental, doit valoriser un territoire et en faire un atout économique. Sociétal, Oui. économique, sociétal Et environnemental, finalement. et surtout environnemental, parce que si l'on regarde bien la cartographie d'une exploitation, on se retrouve avec ces zones-là dans le cadre de la trame bleue, trame verte. Oui. Ce sont les zones relais et les zones tampons. Donc c'est du multi-enjeu. Donc l'idée d'avoir mis ce concept en place, pour moi, est primordiale. Il n'est pas d'intérêt économique premier pour l'exploitation, mais il est d'intérêt majeur pour la biodiversité. Donc de la valoriser, ce serait un atout. Oui. Et pour ça, il faut la produire avant. Je dirais qu'il faut la connaître, la produire, c'est sûr, mais pour bien bien s'en approprier les bienfaits de tout ça, il y a toute une connaissance à avoir. Nous, agriculteurs, c'est pas notre premier métier, quoi. Mais il faut qu'on s'approprie ça. Alors du coup, le maillage de tes parcelles, donc tu as des parcelles entre 5 et 10 hectares, pour simplifier, les talus ou le maillage bocager initial, comment tu l'appréhendes au milieu de 180 hectares?
Alors déjà, d'une part, on est un maillage bocager encore important, ramené à la moyenne du territoire français. Il est fondamental de le préserver, mais il est aussi fondamental de le structurer. On a un maillage disparate qui a été fait dans le sens très souvent géologique du sol et qui aujourd'hui dans sa conduite peut être une contrainte technique par rapport à la mécanisation. Les parcelles difformes, voilà, demandent quelque part qu'on restructure une dimension de territoire, mais que derrière on redresse un maillage bocager pour garder de l'intérêt économique pour l'exploitation, mais derrière qu'on garde aussi de l'intérêt pour la biodiversité derrière. On ne peut pas aujourd'hui se dire on ne touche plus à ce maillage, et on ne peut pas se dire aujourd'hui on s'en défait de ce maillage. Donc l'idée c'est aller là où il faut passer la pelleteuse, elle passe, oui. Et on le refait. Oui, il y a des plans de propositions comme ça. Je pense que c'est le meilleur chemin demain pour rester dans le bon équilibre de la gestion d'un territoire en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, eau, sol, atmosphère, notion de bocage, ce qui est important pour toute cette biodiversité, puisque ces supports-là, si on ne les a pas, on rentre dans un schéma de plaine, on sait la conséquence. On est dans un schéma de bocage trop important, on connaît la conséquence, les milieux vont se fermer, puisqu'il n'y a pas d'enjeu économique important. Donc c'est un équilibre en lien avec l'évolution de société, hein, mais il faut qu'on l'accepte. Le message que je laisserai, c'est on est nombreux aujourd'hui en démographie agricole aujourd'hui qui est conscient de ça, et on va avoir une génération de défis demain avec des nouveaux acteurs sur lesquels ils devront s'approprier ça. Transmettre ça sera certainement un grand défi. Ils vont passer de notre génération qui était des manuels à une génération qui a tout le numérique devant eux. Donc une approche totalement différente de ce que nous on a vécu. Mais c'est à mon avis un change intéressant et certainement avec une connaissance encore plus importante que nous pour améliorer ce challenge. Parce que le numérique il est arrivé dans les engins, les tracteurs, oui. Et il est arrivé dans les élevages. Oui. Et puis là il va arriver sur les systèmes de culture en fait. Oui. On est à même aujourd'hui, au niveau de l'élevage, je travaille à distance. Je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'élevage, que je peux le consulter en tout point. On est à même aujourd'hui d'avoir une activité de production d'abeilles et de travailler à distance. C'est un peu marquant, mais le reflet de ça, c'est intéressant. On est capable d'avoir du satellite. On est capable d'avoir la machine aujourd'hui qui mesure, qui photographie par mètre carré, dont le diagnostic aujourd'hui, par le numérique aujourd'hui, est, voilà. On est capable de sonder à tous les niveaux, d'analyser à tous les niveaux. Cette génération-là ne manquera certainement pas d'informations. Le plus important, c'est qu'elle n'oublie pas qu'on était dans un système de liens, d'actes, qui amène à un résultat. On façonne en permanence. Donc il faudra surtout pas rentrer dans le schéma, c'est la machine qui va imposer. Non, il faudra savoir composer par la connaissance pour amener au résultat. Et les outils sont là pour aller encore plus vite, quoi. C'est plus l'aide qui va être, l'aide outil qui va être intéressante. Très vite de mémoriser, très vite de ressortir l'information. Voilà. Tandis qu'avant, tout papier, tout crayon, pas la même approche. Après, au niveau de ton espace, on va dire avec des collègues dans ton territoire, comment tu te situes avec tout ce changement de pratique? Parce qu'une réflexion très particulière sur la biodiversité quand même, très, très en avance, quelque part par rapport à beaucoup de territoires. Les collègues
qui sont peut-être pas forcément en semi-direct, ni à l'approche cinégétique, ni à l'approche avec des abeilles à ce niveau-là de mesure de contrôle et de collaboration. Quel est le débat aujourd'hui au niveau du terrain? Est-ce que tu sens que les agriculteurs sont prêts à bouger ou pas? Qu'est-ce qui manquerait pour mener peut-être une politique de développement au niveau? Les agriculteurs sont prêts à bouger, pour preuve. Le territoire test est sur 8 communes, qui représentent à peu près 15 000 hectares. J'ai appelé entre 5 et 8 agriculteurs par commune, de premier abord, ce qui me fait un total de 34. On m'avait dit, pour un projet comme ça, d'approche à la biodiversité, si tu arrives à sensibiliser une personne sur deux ou sur trois, ce sera bien. Pour 34 appels, j'avais 34 accords immédiats. Le principe, c'est que, expliqué d'une manière, on s'approprie collectivement les décisions de territoire, ça intéressait tout le monde. Subir la biodiversité par du réglementaire, subir du réglementaire d'élevage, subir, c'est quelque chose aujourd'hui on a pris conscience de ça, c'est que on façonne notre territoire en permanence et on décide pour nous en permanence. Quelqu'un qui fait, automatiquement, c'est positif ou négatif, mais il y a beaucoup de gens pour faire subir et très peu de gens pour faire accompagner, progresser, et en laissant le droit à la différence. Donc c'est à nous, agriculteurs, aujourd'hui, de se dire, on a ce potentiel-là aujourd'hui, on a la connaissance, on a la chance d'être encore nombreux, et d'avoir, par différence de chacun, une connaissance, une passion plus dans tel et tel domaine. Et si on fédère tout ça, qu'on met tout ça sur la même table, c'est extraordinaire. C'est ce que je suis en train de découvrir. On a peut-être un collègue sur deux, la biodiversité, c'est pas mon sujet. La nature, c'est pas mon sujet. Le sol, c'est pas mon sujet. Et finalement, on le rattrape quelque part en se disant, mais ça c'est ton sujet, tu es obligé de rentrer avec nous. Alors, mot obligé, c'est un peu péjoratif, je dirais, tu es sensible à ça. Donc indirectement, tu te retrouveras avec nous. Et en échangeant comme ça, de premier abord, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à là, parce que je leur ai demandé de venir pour un échange. Et quand on a structuré l'explication en salle, j'ai vécu beaucoup de moments de silence, comme si le gars était un peu perdu, c'est quoi ce projet? Et valeur d'aujourd'hui, les gens posent la question, tu en es où? Ben, le plus long, c'est de trouver le budget, de créer ça, il faut être patient, et aujourd'hui, ça y est. Donc tous les accords sont là. On est en train de finaliser ça et donc on est passé à la phase maintenant élaboration, donc ça c'est démarré. C'est un projet sur 3 ans là actuellement où il faut inventorier tous les sièges d'exploitation pour les gars qui sont en schéma. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui par écho, beaucoup appellent, me disent je suis intéressé par ton sujet, est-ce qu'on pourra rentrer? Alors le plus difficile c'est aujourd'hui, c'est qu'il faut déjà structurer le groupe pour donner l'extension potentielle aux autres après derrière. Donc là, c'est un projet qui est entièrement tourné expérimentalement vers les PSE ou c'est non. Quel type de non. projet c'est? Non, c'est un projet qui a la finalité, c'est la biodiversité dans un milieu écologiquement intensif en production. Aucun type d'exploitation doit changer son modèle. Aucun type d'exploitation doit s'accompagner de contraintes supplémentaires. Donc ça veut dire que le projet consiste à produire beaucoup de biodiversité dans un système d'agriculture productive. En fait, on produit... Indirectement, je dirais plutôt, indirectement produira beaucoup de biodiversité en se repositionnant sur son exploitation après inventaire de son activité. Que le schéma qu'il a ne lui modifie en rien économiquement son exploitation. Je dis bien économiquement son exploitation, de façon à ce que certains positionnements de techniques de travail créent de la biodiversité qui rapporte économiquement à sa structure, soit par la gestion des sols, gestion de bocage,
d'énergie, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels ils ne voient pas d'intérêt. Mais ramener, comme on le disait tout à l'heure, c'est par exemple la valorisation bocagère, on mécanise ça, voilà. Donc il y a des enjeux de Kuma, il y a les enjeux d'entraide, il y a énormément de choses qui va renforcer, un, l'agriculteur envers l'agriculteur, deux, l'exploitation envers l'autre exploitation. Les enjeux sont là, c'est que c'est d'intérêt commun, au final, c'est d'intérêt de territoire. Le territoire ne vivra que si ce maillage s'harmonise sur un objectif commun économie d'abord. Capacité à produire, intérêt sociétal. Automatiquement, ça fait enjeu environnemental et enjeu de la biodiversité. Donc ce passage, c'est quand même un passage énorme dans le mental et le changement de point de vue, dans le sens où de la contrainte des années qu'on a héritées des années PAC, en gros, hein, on va passer à une phase de construction et de proposition. Alors qui accompagne ça aujourd'hui avec votre groupe, 8 communes, ça fait combien, 2 cantons quasi? Oui, deux cantons, oui. Donc, qui est-ce qui accompagne? Parce qu'il a fallu trouver les interlocuteurs au niveau administratif, au niveau des professionnels ou autres. Le partenaire donc essentiel, c'est la Chambre d'agriculture, qui aujourd'hui donc dédie une personne à déjà dans un premier temps inventorier avec un budget important qui dédommage l'agriculteur du temps passé à conforter ce projet-là. Le temps que l'agriculteur, prenons exemple, va donner de son temps à l'inventaire de son exploitation, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il a automatiquement une rémunération à portée de l'heure, comme si quelqu'un l'avait remplacé sur son exploitation. À aucun moment, l'agriculteur est dans l'acte bénévole. Dans l'approche du dossier, sur le plan de l'acte du travail, c'est lui qui décide de lui-même comment il s'engage. Mais ce qui est important, c'est que pour qu'il s'engage, à aucun moment, il doit le faire à valeur zéro financière. C'est d'intérêt collectif, c'est un projet sur lequel il est normal qu'un agriculteur joue sur les enjeux de la biodiversité telle qu'on veut le produire, donne de son temps pour ça. Ça fait partie du temps de la formation, du temps à se construire. Et si on veut que le projet marche, ça n'est que comme ça. Ça peut fonctionner. Et c'était pas la première demande qu'ils en ont fait, mais nous, c'était dans l'idée, c'était fondamental que ça se construise comme ça, quoi. Aujourd'hui, donc le dossier, donc il est là, il va prendre beaucoup de temps hein, à donc inventorier chaque exploitation et après de construire des pôles références. Il peut y avoir un groupe d'agriculteurs, ben, je suis concerné, j'ai beaucoup de fonds de vallée. D'autres vont dire, j'ai beaucoup de bocage. D'autres vont te dire, j'ai des gros problèmes d'érosion. D'autres vont te dire, j'ai un problème de siège d'exploitation. Tout ça, voilà, comment construire des améliorations, il a tout intérêt à se dire, en termes de siège d'exploitation, je peux trouver un pôle commun avec quelqu'un d'autre pour justement renforcer mon activité là. Donc, ce sera d'amener du lien. Donc, pour l'instant, d'abord l'inventaire, commencer à décider sur des actes simples pour avancer et après rentrer dans les vrais enjeux. Donc l'accompagnement du coup se fait par l'Interpro, disons la Chambre Oui, d'agriculture, oui. et le financement au niveau administratif, ou ce sont des financements européens ou... Alors, c'est la région. Oui. Donc, il y a. Mis donc l'accord du financement, la totalité pour l'instant
On a commencé à avoir les premiers versements, donc on attend de voir un peu jusqu'à où ça peut aller. Donc l'Europe participe à ça. Donc ce qui est important après, c'est voilà. Donc on a un budget de départ pour démarrer et qui va être s'auto-alimenter au fur et à mesure de l'activité telle qu'elle avance. Donc ça veut dire qu'il y a aussi autour du projet agricole des, on va dire, dans les administratifs de la contrainte, puisque c'était quand même comme ça que ça a été vécu et parachuté. Aujourd'hui, on a des gens qui sont beaucoup plus prêts à accompagner et à bouger les dossiers que de rester statu quo sur la contrainte. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde va s'engager à une vitesse différente parce que chaque agriculteur n'est pas engagé au même degré dans un premier temps. Donc déjà, il s'est engagé dans la relation, dans la compréhension, et c'est à nous, les responsables ou les animateurs du groupe, d'amener à rentrer en activité comme tout le monde. Et à partir de là, on arrivera petit à petit à construire les éléments. Alors du coup, les éléments extérieurs, disons, au projet, qui vont être, ben, je ne sais pas, l'association qui gère le parc naturel, ben, les écologistes ou les rivières de Bretagne, qui étaient quand même omniprésents et plutôt dans l'accusation et la contrainte que dans la construction. Ces acteurs-là, ils vont être fédérés ou ils vont être intégrés dans ce type de projet. Pour nous, c'est obligatoire. D'accord. Et donc, Pour nous, ce qui est important, quel est le c'est... mouvement ou le rythme un petit peu d'agrégation des acteurs? Ce sera notre demande suivant les thématiques sur lesquelles on va avancer. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a 12 partenaires aujourd'hui potentiels, autant pour le végétal que pour l'animal, que pour l'eau, que pour l'air, qui ont tous d'intérêt. Voilà, ça peut être faunistique par rapport à la chasse, ça peut être analytique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'analyser les sols, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être scientifique. D'avoir des outils de mesure, on n'a pas ça. Tout ce qui touche à la lecture botanique, donc c'est-à-dire floristique, on a fait sur l'exploitation l'inventaire floristique naturel sur l'exploitation. Nous, on sait que notre exploitation aujourd'hui, par rapport à une exploitation conventionnelle, a une diversité de plantes bien supérieure que dans un système conventionnel. Donc c'est intéressant, naturellement, voilà, le nombre de plantes sauvages que l'on a en semi-direct par rapport à une parcelle labourée juste à côté. Bon, ben, on n'imaginait pas ça. Donc on appelle, voilà, pour la partie piscicole, on appelle pour la partie pollinisation. Et on va le faire pour... On a déjà donc très bien avancé tout ce qui est des comptages d'insectes, de vers de terre. Voilà. On a déjà tous ces chiffres-là, on les a. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que... on paramètre ça plus juste, donc avec justement les partenaires qui ont, c'est leur job un petit peu de mesurer, voilà, c'est de bon niveau, de haut niveau moyen, ça ne fonctionne pas, qu'on explique un peu tout ça, quoi. Donc, Mais la décision ou l'animation appartient aux acteurs du territoire, qui sont les agriculteurs, de faire appel aux partenaires pour justement participer justement à déchiffrer le fonctionnement du territoire. si je comprends bien, c'est quasi très provocateur si on l'amène comme ça sur la place publique, c'est-à-dire que ce que vous mesurez là dans ce projet autour de la biodiversité, mais de la productivité des systèmes, hein, qu'on veuille ou non, on peut la produire, cette biodiversité, mais tout autant en espace agricole, qu'il n'y a pas d'incompatibilité, et puis on aurait même des bons résultats malgré qu'il y ait de la chimie partout. C'est-à-dire que tu Ah, mais utilises un ça. désherbant, ou un insecticide, ou un fongicide, Oui. Ben et ça... qui est quasi le monstre institutionnalisé par des médias quelque part aujourd'hui. On a un exemple qui est simple. En semi-direct, quand on a démarré, on ne connaissait pas trop, on a utilisé des anti-limaces. Et on s'est retrouvé à travailler avec certains produits commerciaux. Et
on se rendait compte que, ben, bien sûr, c'est efficace sur les limaces, mais on a impacté sur certains types d'insectes, notamment les caragues. Et le fait d'avoir supprimé une molécule sans impacter sur l'efficacité sur les limaces, on s'est rendu compte que ben, le carabe, il fonctionne très bien, quoi. Bon, voilà, on a des éléments comme ça, c'est que on n'était pas concerné par le carabe, puisque l'agriculteur, c'est quoi cet animal-là, voilà. On n'en a pas besoin, donc, puisqu'on mécanise. Mais nous, ce qui est important, c'est quand on parle de chimie, ben, on est, voilà, on peut avoir la même chose par rapport aux abeilles. Il y a un risque sur telle ou telle molécule. Voilà. Donc, en sachant que déjà, naturellement, que ce soit dans la pharmacie d'élevage ou la pharmacie végétale, on nous enlève tous les ans des molécules. Et que ça n'est pas simple. Parce que enlever, c'est bien, mais si le besoin d'être remplacé l'exige, aujourd'hui, c'est qu'on arrive à ce stade-là, on nous enlève tout sans avoir le remplacement. Et on l'a dans les insecticides, mais on va l'avoir maintenant dans les plantes d'herbage, que l'on connaît, hein, sur 30 ans, quand on regarde le nombre de molécules dont on n'est pas sûr aujourd'hui qu'elles sont aussi nocives que l'on pouvait imaginer. La grande question, c'est de savoir si on n'est pas allé trop loin et trop vite dans l'élimination de certaines. Et on se rend compte aussi, c'est que dans la performance du matériel, la performance de la connaissance, de la mesure sur le terrain, dans les cultures, c'est qu'aujourd'hui, en optimisant la température, l'hygrométrie, les moments d'utilisation de l'application, on déconcentre, on diminue les doses. Et c'est vrai que les doses, on les diminue, on les diminue, on les diminue. On prendrait l'exemple type du glyphosate à 5-6 hectares il y a 10, 15 ou 20 ans parce qu'il fallait que ce soit propre. Aujourd'hui, la même efficacité existe entre du moins de 1 litre à 2 litres aujourd'hui. Et encore, suivant le type de plante, à 0,5 litres, tu en as assez, quoi. Donc la performance matérielle, la partie pulvérisation, la dimension de la goutte, la température, la technologie aujourd'hui nous permet d'avancer. Donc on arrive à des stades aujourd'hui, on diminue, mais par moment on se poserait la question, l'agriculteur il trouve trop d'intérêt, il faut qu'on le mette encore dans la difficulté, quoi. Et quelque part de se dire, nous on voit bien que sur le terrain justement, à partir du moment où on va mesurer toutes ces populations-là, si on impacte sur le monde animal infiniment petit, en contact direct avec la molécule, alors que nous, humains, on est à distance. Voilà. Ben, si les espèces tiennent et au contraire fonctionnent très très bien, on peut aussi se poser la question de savoir où est le degré de nocivité et impactant. Bien sûr que si on peut se passer de chimie, on le ferait. Mais quand on regarde le niveau de molécules que l'on a en humaine proportionnellement au monde animal et au monde végétal, je m'interroge. Alors, Parce que quelque part, on est vétérinaire sur nos exploitations. On est chimiste sur le terrain, quelque part, naturellement. On n'a pas le statut, mais on se doit par la connaissance d'être là. du coup, le fait que tu sois entouré de rivières, ici, dans la fin du centre-Bretagne, on va dire, donc un secteur très important dans le captage de l'eau, les politiques de l'eau, globalement, bah, sur le bassin versant de l'Énorme, qu'est-ce qu'elles donnent au fur et à mesure que vous progressez dans ces approches à droit environnemental. Premier élément de l'histoire, notre territoire sur lequel on est là, 80% des parcelles sont drainées. Donc c'est dire si on a de l'eau. Donc on est un territoire entre, je dirais, 1000 à 1400 mm annuels et pour une partie, 800 à 1000 mm sur le reste du territoire. Alors, si ce n'était pas drainé, est-ce que tu pourrais exploiter quelque part? Beaucoup de terrains seraient abandonnés. C'est ça. Beaucoup de terrains seraient dans la souffrance, parce que d'une manière ou d'une autre, la mécanisation devrait passer. Excès d'eau. Et toutes ses conséquences avec. Donc, pour nous, ça veut dire qu'on a un réseau hydrologique important de circulation de surface. Donc le risque, il est partout dans les transferts. Exactement. Exactement. Autant les éléments minéraux organiques que phyto, que tout ce que l'on veut, ils arrivent au même exutoire, qui est la rade. Mais aujourd'hui, l'atout essentiel que l'on a, c'est qu'à la sortie, on sait exactement sur le plan agricole, urbain ou industriel, les niveaux d'évolution sur l'espace de 60 ans. Et d'avoir cette collaboration et cette ouverture qu'ils ont à échanger pour voir justement l'impact agricole aujourd'hui,
On est au stade aujourd'hui où il n'y a pas une molécule en agriculture aujourd'hui qui est dans la zone rouge. On est dans la situation du nanogramme aujourd'hui ou de trace sur lequel aujourd'hui l'agriculture n'impacte plus sur le réseau hydrologique. Y compris des molécules emblématiques comme le glyphosate ou l'AMPA ou autre chose. Oui, on le retrouve sous forme de trace. D'accord. Il peut y avoir accidentellement un pic, mais ramené sur le seuil d'alerte, on ne dépasse pas ce seuil d'alerte. Donc ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, nous agriculteurs, quand on est à la source d'information-là, dont on peut mesurer sur un territoire, puisque ça mesure collectivement le territoire, on peut dire qu'aujourd'hui, la profession agricole dans ces domaines-là, aujourd'hui, est professionnelle, en a conscience, doit prendre conscience, doit toujours regarder plus loin, parce que c'est un impact économique, mais c'est un enjeu fondamental dans la pérennité des exploitations. Donc le dossier aujourd'hui important qu'est le glyphosate, certes, mais pour beaucoup de collègues dans d'autres productions, c'est le même enjeu. Que ce soit un fongicide ou que ce soit un insecticide, tout se regarde. Donc quelque part, les multiproductions que l'on a, parce que le change breton, c'est ça, c'est qu'on est d'une variété exemplaire de production, on a aussi une variété exemplaire de molécules qu'on retrouve en bas. Et aujourd'hui, de savoir que collectivement, on n'a pas d'impact qui que ce soit est fondamental. Donc au niveau nitrate, par exemple, vous êtes parti des combien et vous êtes rendu où aujourd'hui? La barre européenne, donc c'est 50, seuil d'alerte. On était à un stade 42-43. Dans les années 80? Dans les années 90? ben des enjeux 93, donc dépôt des dossiers à enjeux nitrate, donc voilà, le seuil d'alerte était là. Basé sur notre territoire, les Landes, a un côté granitique et un côté schiste. Et d'un côté, on se retrouve très bien placé, de l'autre côté, c'est différent, c'est-à-dire que la partie granitique, l'impact nitrate met beaucoup plus de temps à trouver son bon équilibre que la partie schiste. On a affaire à des choses de surface où ça file beaucoup plus vite. Donc, quand on a une diversité de territoires, harmoniser tout le monde sur des enjeux géologiques différents, c'est surprenant. Donc, aujourd'hui, eh ben, chaque affluent, donc, c'est-à-dire le tronc majeur de la rivière, les affluents et le chevelu, aujourd'hui sont contrôlés, un par un. Parce que certains sont concernés par l'urbanisation, d'autres sont concernés par l'industrie, et beaucoup sont concernés par l'agriculture. Donc tout cela, on sait, affluent par affluent, les zones à travailler. Et ça peut être autant de l'urbain que de l'industrie, que de l'agricole qui doit travailler, quoi. Donc, ce qui est intéressant, comme quelque part. Donc, tout ça nous permet de nous conforter, c'est que l'agriculture, dans son ensemble, aujourd'hui, n'est mise en cause sur aucun de ces affluents. Tout le monde est sorti aujourd'hui de cette zone du risque des plus de 50. Donc, on est passé de 42, 43, on est très vite descendu à 37, on est à 32, et aujourd'hui, donc, on est à moins de 30. Et donc cette partie-là aujourd'hui nous permet d'être serein en sachant que derrière la société attend toujours le dossier des algues vertes. Mais faut-il supprimer l'agriculture et de se dire qu'il faut descendre à moins de 5-10 points pour dire que les algues vertes, il n'y en aura plus? C'est un débat de société aujourd'hui. Pour notre territoire aujourd'hui, nous on a bien compris que les enjeux ne sont pas là. Et que l'algue verte, elle existera toujours si les vrais moyens ne sont pas faits. Quelle est l'hypothèse autour de ces algues vertes quand tu parles de vrais moyens, par exemple? Ben le vrai moyen, c'est les vraies origines collectives. Les sites d'élevage, tout a été normé. Les évolutions, les mesures à l'épandage, tout a été normé. Preuve en est, c'est que les taux, on les a fait fortement évoluer. La grande difficulté aujourd'hui, c'est l'urbanisation et l'industrialisation, où il y a des zones sur lesquelles les travaux ne seront jamais faits, qui vont impacter, qui ont un apport azote, bien sûr, qui existe. Donc il y a encore un gros travail là-dessus.
Mais aujourd'hui, pour la partie nitrate, aujourd'hui, en agriculture, le chemin sera tout seul parce que l'explication aussi du parcours du nitrate, il faut ne pas oublier que c'est le nitrate arrive à l'exutoire en combien de temps? En fonction de la géologie. Et donc, l'acteur agriculteur qui est en haut, son vrai résultat du jour, il arrive quand? En bas. 1 an, 5 ans, en fonction des sols. Enfin, voilà. Donc tout ça aussi, il faut se dire que n'allons pas trop vite. On sait que ça descend régulièrement, mais voilà, c'est aujourd'hui les nitrates qui sont en bas, c'est les nitrates de l'activité d'il y a 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est aussi important. Donc, du coup, le principal défi sur la rivière, là, il est de continuer à baisser fatalement et de mettre en jeu aussi les collectivités qui habitent dessus, quoi. Oui. Et le citoyen. Oui. Parce que l'assainissement individuel a encore beaucoup de travail à sujet. Moi, personnellement, j'ai aussi du travail. Donc, les citoyens comme tout le monde, mais c'est vrai que les enjeux sont voilà, à tous les degrés. Donc, quelque part, on ne peut pas, nous, agriculteurs, être dans la loi du subir et d'être le bouc émissaire de toute l'activité humaine. Donc, on est professionnel, on s'engage, on y est, mais à un moment donné, on dit stop. Et c'est pour ça que tout ce dossier biodiversité, il doit être professionnel agricole.